Bonjour à tous, Sarah Benhamed pour Anna et en salle. J'ai décidé de vous raconter une histoire qui nous a tout simplement marqué. C'était un soir de septembre, nous avons eu la chance de recevoir une chorale suisse dans un des salons privés. Avec l'équipe, on leur a partagé notre passion et à la fin du dîner, pour nous remercier, ils ont à leur tour voulu partager la leur en nous interprétant une chanson. J'ai trouvé ce moment vraiment magique et j'ai voulu en faire profiter le maximum de personnes. Il nous restait dans la salle principale quelques tables. Je les ai donc rassemblées ainsi que le reste de nos collaborateurs. Ce soir-là, une table de clients allemands dont l'un des convives fêtait son anniversaire. J'ai donc trouvé opportun de demander à la chorale s'ils pouvaient interpréter Joyeux anniversaire. Ils ont eu la délicate attention de le faire. Je vous laisse imaginer ce moment suspendu que nous avons tous vécu. La chorale a continué par la suite à interpréter naturellement d'autres chansons et cela a créé un moment vraiment magique, un moment d'émotion où la symbiose entre différentes cultures et nationalités s'est créée. Les Suisses, les Allemands, nos clients belges mais aussi alsaciens, strasbourgeois et le tout associé à nos chers collaborateurs. Je vous avoue que j'ai trouvé ce moment unique, je ne l'oublierai jamais. Et ça m'a valu quelques larmes, mais je n'étais pas la seule. J'ai choisi de vous raconter ce moment en particulier puisqu'il représente tout simplement toutes les valeurs de ce métier que j'affectionne particulièrement. Le partage, la transmission, l'échange et surtout la création d'émotions et de souvenirs. Il est vrai que nous avons vécu ces derniers mois des moments difficiles, je l'admets, mais nous devons rester forts, garder la tête haute. La vie est belle, l'avenir nous appartient, nous avons encore plein de choses à créer. Tous les acteurs de ces métiers, tous les acteurs du bonheur, artisans, vignerons, collaborateurs, fournisseurs, agriculteurs et bien d'autres encore, nous sommes tous prêts à vous accueillir, tous prêts à vous donner et vous partager encore plus de bonheur et d'amour. Trinquons tout simplement à la vie, à l'amour, vive la gastronomie. Je vous dis à très vite au bord du lac Léman et je vous embrasse.